qu'on a tenté de faire en permettant aux visiteurs de découvrir les œuvres de Banksy dans un contexte plus géographique, c'est-à-dire de pays en pays, de ville en ville, on leur permet de découvrir en fait des œuvres qui ont été refaites à l'identique, pratiquement. Alors on ne parle pas uniquement de refaire les pochoirs à l'identique à taille réelle, mais on parle aussi de refaire les murs qui ont été sur lesquels Banksy a véritablement peint. Donc quand il s'agit d'un mur de briques, on met de la brique. Quand il s'agit d'un mur en béton, on met un mur en béton. Quand ils sont salis par les années, par la pollution, on les salit par des effets spéciaux. Voilà. Donc c'est vraiment cette idée-là d'immersion, de permettre aux visiteurs d'être en plein dans le monde de Banksy à travers ce parcours thématique et géographique. Mi sono affidato appunto a degli artisti, sia artisti di strada, appunto graffittari, che artisti diciamo un pochettino più pittorici, perché c'erano delle cose effettivamente che erano come ricreare appunto dei quadri, perché certe volte degli sfondi appunto sono dei quadri. E insieme abbiamo lavorato appunto per riprodurre questo. Vorrei anche dire che mi sono affidato a degli studenti di Brera, che hanno collaborato con noi per la realizzazione di questa mostra e sono stati davvero molto bravi nonostante la loro giovane età. Alors, on parle de choses très très anciennes, comme les tout premiers, toutes les toutes premières œuvres murales de Banksy. Et là, je pense notamment à Mild Mild West, qui est véritablement une de ses premières, jusqu'à Oscar Wilde, qui s'échappe de prison sur le mur de la prison dans laquelle il était enfermé. On sait que les expositions sur Banksy ne sont pas autorisées par Banksy. En revanche, il ne les interdit pas. Il ne les empêche pas. Ce qui nous pousse à dire que, d'une part, pourrait être content du travail qu'on a fait. D'autre part, c'est aussi une possibilité, je pense, qu'il apprécie le fait qu'on fasse passer des messages que lui-même fait passer. Et d'autre part, je pense qu'il y a une forme de notoriété. Alors, il n'aura probablement pas nécessairement besoin de toutes les expositions Banksy pour faire savoir qui il est, pour faire passer ses messages, mais je pense que ça en fait partie. On apporte notre pierre, je pense, à l'édifice Banksy ou
ou au mouvement autour de Banksy. Questo luogo è molto adatto perché unisce appunto la storia della stazione, quindi una costruzione di un'epoca molto bella, ma allo stesso modo è street, quindi è di passaggio, e quello è Banksy tendenzialmente, una tradizione che si unisce al moderno. Thank you.